Bonjour YouTube, bonjour, bonjour dans ce react de la comédie musicale Le Roi Soleil, troisième soirée comédie musicale de cette chaîne Twitch slash YouTube, puisque vous regardez sûrement ce replay aujourd'hui. Voilà, là, on vous dit bonjour dans le chat, incroyable. On va regarder Le Roi Soleil comme d'habitude, on va faire un petit récap de ce qu'on va regarder ce soir. Vous avez Mimolette en featuring pour une partie de ce stream, je pense, hein, voilà, trop bien, ça va être incroyable. Oui, j'oublie Cindy, mais pour moi, c'est une soirée comédie musicale, comme je disais. Effectivement, il y a eu Cindy 2002, il y a eu Belle Belle Belle. En vrai, c'est la cinquième comédie musicale qu'on regarde sur cette chaîne, mais pour la soirée comédie musicale, il y a eu, en vrai de vrai, Notre-Dame de Paris et Roméo et Juliette. On compte pas Cindy, c'est presque pas la peine, c'était officieux, quoi. Le Roi Soleil, Kezako. Le Roi Soleil, Kezako, en vrai. Le Roi Soleil, bien écoutez, c'est une comédie musicale, mesdames et messieurs, produite par Dovatia, tiens, qu'on connaît un petit peu sur cette chaîne, puisqu'on a regardé une saison de La Nouvelle Star, et Albert Cohen. Alors là, pour le coup, Albert Cohen, I don't know who is this guy, c'est un producteur, qui fera également Autant n'emporte le vent aussi, et Mozart l'Opéra Rock, ok. Et il a coproduit aussi 1789, ok. Incroyable, incroyable. Il a cofondé Albert Cohen, Radio Nostalgie. Alors là, et là, on a du... Là c'est de l'inside. Hein. Et mise en scène, bien sûr, mesdames et messieurs. Mise en scène exceptionnelle. Alors, je sais pas pourquoi il écrit « rejoint » dans deux minutes. Mise en scène exceptionnelle, mesdames et messieurs, de Kamel Wally, évidemment. Voilà. La première du spectacle a eu lieu le 22 septembre 2005 au Palais des Sports de Paris. La dernière a eu lieu le 8 juillet 2007 au Palais Omnisport de Paris-Bercy, carrément. Après deux saisons à Paris et deux tournées en France, Belgique et Suisse. C'est énorme, hein. La comédie musicale a remporté deux Energy Music Awards du groupe duo francophone de l'année en 2006 et 2007, évidemment. Ils ont... Parce qu'ils ne savaient pas à qui le donner d'autre, hein, donc voilà, c'est à eux qu'ils l'ont chopé. Hop là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec... Joli palmarès, hein, c'est pas mal. Hein. Ils sont restés deux... C'est assez énorme en vrai, hein. C'est assez gros. Hop. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, bah, écoutez, c'est parti pour... C'est parti pour Le Roi Soleil. Let's go. Let's go, let's go. Vous n'hésitez pas à me dire si le son ça va. Moi j'ai un retour. Si vous n'avez pas d'écho. Mise en scène et chorégraphie Kamel Wally. On embrasse François Chouquet, le régisseur général. Lionel Florence et Patrice Guirao pour les textes des chansons. Mimo n'approuve pas. Ok. Conception des costumes, Dominique Borg. On dit quelque chose, Dominique Borg. T'as réveillé Mimo. Ah ouais, là oui. La musique, c'est déjà Versailles, on y est là. Le mixage, Jean-Philippe Bonichon. Salut Bing Potter Monster, salut à toi. On va rien dire, on va rien dire. De très bonnes dispositions, sachez-le. Une copine de lycée m'avait dit que quand elle avait vu le spectacle, elle avait été éblouie. Ah. Pas un compagnon, pas un cabaret où réchauffer mon pauvre cœur. Tout est clos. Oh, morbleu, j'enrage. Les sergents du guet ont imposé la fermeture de tous les théâtres. Ma pièce est annulée, la troupe dispersée. Mais, foi de Molière, ils ne mourront pas si facilement. Demain, j'irai déposer une requête au Châtelet et nous jouerons. Que diable, ne suis-je pas ici chez moi? À Paris. Ah, Paris, oui, oui. Oh, c'est Molière, c'est mon mot. Ne vous y fiez pas. Jean-Baptiste Poquelin. Loin par-delà, la porte s'abandonne. Je vais parler comme ça demain à la manif. Paris s'apprête à cracher sa colère. Écrasé, ah oui, sous les impôts, le peuple a faim. Il a raison, il a raison. Oh, c'est d'actualité. Le duc de Beaufort, cousin du roi et prince de sang, a pris la tête de la révolte. Contre le cardinal Mazarin. Ouais. Ah, c'est les mêmes personnages en plus. Accurate. Pauvre royaume. Macron explosion. Entendez-vous? Je crois qu'il y a de la musique en fond. Ah merde, oui, peut-être, c'est possible. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Enfant roi doit fuir Paris avec sa mère, Anne d'Autriche, pour rejoindre le cardinal Mazarin, réfugié au château de Saint-Germain. Allez! On n'a jamais été aussi proche. Au palais royal! Chassons le cardinal et vive le roi!
Eh oh, calme-toi. Dis donc, toi, qui es-tu pour commander ainsi au peuple de Paris? Je suis François de Vendôme, duc de Beaufort, serviteur du roi et de l'État. Vive Beaufort! Tous au palais royal, à la Mathieu. Eh oh, 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 oh. C'est un ouf, là, lui, mais il est dingo, quoi. T'as vu comment il hurle, le gars? Non, mais tranquille. Allez. Oui, par contre, la manière de filmer, c'est rien à voir avec Notre-Dame de Paris. Déjà, il y a des bandes noires. Ça commence avec un rock'n'roll, là. Rock'n'roll! Un jour meilleur qui ne tient pas. Des champs de blé pillés sans foi. Au nom d'une croix qui fait sa loi. Pour une justice qu'ils ont fait taire. Qui nous étrangle quand on la serre. Je suis de ceux qui n'ont qu'un choix. Franchir le mur du dernier pas. Je suis l'écho, je suis la voix de tous ces gens qu'on dit en bas. Wow, ça, c'est hyper moderne la façon de filmer par contre. La captation est extraordinaire. Vraiment. Très jolie captation. Ah, le montage il est bien cut hein. Patate, c'est entre en matière, c'est ça, c'est le pire. Je viens de commencer l'hiver donc. C'est bien dans l'actu de ouf, toi. C'est nous contre ceux d'en haut. Putain, mais c'est tellement en actualité. Un jour meilleur qui reste à faire. Des champs qui se relèvent de terre. Au pied d'une croix, sans cimetière. L'injustice qu'on finit pas de nous briser entre ses bras. Un bras de fer, un camp de soi sur ce qu'on perd et qu'on n'a pas. On est de ceux qui ont ouvert une autre voie, une nouvelle ère. On est l'écho, le souffle d'air de tous ces gens qu'on ouais, moi qui voulais vous changer les idées, ça, ça fonctionne bien, c'est bien. La grande émission. C'est un tuto révolution, prenez des notes, c'est ça. Ah, ça nous met une dose de bonne énergie pour demain, c'est ça. Ça change beaucoup de cam, hein, par contre, c'est très énergique un monde comme ça. Amène s'il le faut, qu'on gagnera notre place. Contre ceux d'en haut, c'est contre leurs égaux que nous devons faire face. C'est nous contre ceux d'en haut. Quelqu'un va la manif avec ce costume, je l'applaudis. C'est vrai que... Oui, on est 3 ans plus tard que Roméo et Juliette, qui était déjà pas mal en vrai, mais là, alors là, ouais, en termes de captation, ça n'a rien à voir. Là. Un peu BG lui hein. Le cardinal et la reine nous ont joué. Le palais est vide. Le roi est parti dans la nuit pour Saint-Germain. Tous à Saint-Germain. Allez. Ah tous à Saint-Germain. Ouais. Oh. La brave M. C'est un réel de film à la captage, je crois. J'ai pas vu qui captait, j'ai pas vu le nom, effectivement. Dis-moi, dis-moi que tu m'entends, au moins que tu me vois. Ah merde, ils sont dead. Salut, Garbus. On a encore le temps. Dis-moi pourquoi j'ai froid. Et toi.
répondre à cette vie qui s'en va et toutes celles qui s'effondrent et vouloir encore ça. Dis-moi que toi aussi tu pleures. Salut Adèle. D'aussi fort que tu sois. Ah bah salut Justine. Que tu ne comprends pas que tout ça te fait peur. Et nous, qu'avons-nous fait de vous? S'il est vrai ce qu'on nous dit, que vous parliez d'amour, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de nous? S'il est vrai qu'on est ah là 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 là. J'ai mal si simplement au plus profond de moi. Aïe aïe aïe. Et toi si tu m'entends. C'est badant un peu, hein, je trouve. C'est... Toi aussi tu as froid. Dis-moi que tu ne peux pas répondre. Les problèmes. Bonne ambiance dans la villa, c'est ça. Qui le chant du tout confond, que tu n'étais pas là. Et nous, qu'avons-nous fait de vous? S'il est vrai. On voit la diff avec Cindy, y'a pas de m'étonnes. Ah oui, y'a une sacrée diff avec Cindy, je trouve. C'est très quali, hein. Niveau costume et tout, par contre, c'est... Les chansons sont hyper bien composées. Hein. Par contre, on comprend pas trop la base de l'histoire. Salut, cigarette. Le groupe, c'est pas une bande son, c'est un groupe qui joue en live. Incroyable. La dame, elle est triste. Bah, calme-toi. C'est la fronde. Alors là, me parlez pas d'histoire ce soir. Oh là là. Oh là là, c'est... Les mecs, on regarde un truc, le roi soleil. Oh, me parlez pas d'histoire, hein, putain. Ah, le bisou. Bah non, on est qu'à 11 minutes et ils sont déjà un bisou. Bah dis donc, bah oh, ça va pas là. Ils sont ouf ou quoi? Non mais moins de 18 ans, j'aurais dû mettre ce stream moins de 18. Bah v'là qu'elle vit mon rêve. Ah le bibi. Salut les skis. Bah attends, mais ça va pas là. Non mais ça va, ils ont survécu ma div, donc un petit piou là, allez let's go. Non mais oh, ça va pas là. C'est ça, le babob, il se roule des pelles à tire l'arigot, là, ça va pas. Le piou. Non mais oh. Pour un grand, pour un progrès, pour un au suprême degré, pour un sodome mis en l'état et pour un au plus haut carat, pour un chèvre, pour un garçon et pour un de toutes les façons, pour un chèvre, pour un garçon et pour un de toutes les façons, pour un chèvre, pour un garçon et pour un de toutes les façons. À la santé du cardinal! À Mazarin! Au plus fameux brigand du royaume! Brigand, certes,
mais à qui nous devons tous le respect. Notre cher Mazarin a maté la fronde, il a envoûté la reine. On ne respecte pas un homme qui a fait condamner notre malheureux Beaufort à l'exil. Oh, cruelle punition pour le sexe faible. Paris va manquer d'un bienfait. Mais, ma chère Ninon, nous serons toujours là pour satisfaire vos plaisirs. Oh, je parlais d'un bienfait, mon ami. La beauté. La beauté n'est pas toujours celle de l'apparence. Chut. Elle a parlé. Enfin, elle parle. Douce et divine. Oh, Françoise. Ma raison me l'a dit aussi bien que mes yeux que vous étiez charmante et douce. Ma belle indienne. Consentirez-vous un jour à m'épouser? Mais vous avez bien trop d'esprit, monsieur Scarron, pour épouser une pauvre sotte. Mais, sotte, je vous épouse! Sans parents, sans dot, nue comme elle. Ça va vite là? Attendez, excusez-moi, j'essaie de remettre mon casque. Ça va vite, nous, c'est moi? Ça va. Mais je suis du père, pardon, excusez-moi, je suis du père. Ça va un peu vite? Ça va, ils ont pas le time, hein. Ça va très vite. Hein. Alors, c'est Scarron, lui, c'est ça. Attendez, il va y avoir des petites leçons d'histoire, là. C'est un peu rapide à mon goût, hein, là, le début, par contre. Hein. Ça va... Les dialogues vont... Ils les enchaînent. Les caméras, en plus, ça fait beaucoup de plans et tout. Oui, je trouve que la réelle moderne, c'est cool, aide pas la compréhension. C'est... Faut vraiment pas avoir dormi pendant les cours d'histoire de quatrième pour suivre. Ah, voilà, là, faut... Scarron veut pécho Françoise. Bah, et où bah, Scarron, bah alors bah, En même temps, il a vécu hyper vieux, Louis. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, c'est... Je n'ai jamais compris cette scène et l'utilité de celle-ci. Bah, on comprend que Scarron, il veut pécho la dame. La dame, elle a pas l'air d'être chaud. Face au serpent. Voyons, mon ami. Justement, mademoiselle de Lisieux, aidons notre jeune ami à se décider. Vous qui prétendez lire l'avenir... Prenez donc sa main et dites-nous. Mademoiselle. La Providence vous a gâté, ma chère. C'est pour introduire Françoise, d'accord. Un roi? Un roi? Mais oui, un roi. OMG. Vous serez l'épouse d'un roi. Je ne connais ici qu'un seul roi. Moi. Le roi d'Agobert, mon gars. Salut, Manon. Scarron, roi des poètes. Oh, ma tendre. Ah, bah lui, il a pas perdu le nord. Serez-vous enfin ma reine? J'ai vu le jour à l'ombre des barreaux. Fille d'assassin, je suis né condamné. Ah, c'est la femme à Louis XIV? J'ai vu le jour incrusté sur ma peau. Je ne suis plus qu'un nom à effacer. C'est la deuxième femme de Louis XIV. Ah, c'est pas la régulière du coup, c'est ça? La future, ok. Alors, d'accord. Salut Ambrosia. Bah, c'est grâce à Ambrosia! Ambrosia, s'il vous plaît, dans le chat. Est-ce qu'on peut faire un big up, s'il vous plaît, Ambrosia, s'il vous plaît? Ambrosia qui m'a envoyé la comédie musicale. Merci beaucoup, Ambrosia. Merci infiniment de nous avoir fourni cette comédie musicale de qualité. Merci beaucoup. Hop là. Les alertes sonores ne fonctionnent pas, c'est trop bizarre. Attendez, pourtant elles sont activées. C'est trop bizarre. Les alertes sonores ne fonctionnent pas? Dorian, toujours présente pour répondre à la bonne parole des comédies musicales. Alors, attendez, je peux juste essayer un truc? Ah non, si ça fonctionne bien, pardon. Excuse-moi, ça a bien fonctionné, c'est ça. On s'emporte ma vie et je suivrai la danse. Alors d'accord,
C'est plus grave, t'inquiète, on a commencé à... Il y a que 15 minutes là pour l'instant. Par contre, c'est ouf, le nombre de comédiens sur scène, ça vit de ouf par contre. C'est extrêmement, extrêmement agréable. Hein. Enfin, je trouve vraiment que c'est genre, on se fout pas de notre gueule quoi, c'est... Elle chante bien la dame, elle chante bien. Ah, l'esthétique est très chouette, hein. Vraiment super, super esthétique, ça a rien à redire. Monsieur le cardinal, que me rapporte-t-on ? Ah. Vous décidez de lever de nouveaux impôts ? Oh le bâtard ! N'avez-vous pas retenu les leçons de la fronde ? Alors, Votre Majesté. Alors madame, le col est un peu grand, mais alors c'est un style, hein. Mais alors, c'est vrai que pour passer par exemple dans le tram, tu gênes un peu, quoi. Tu gênes un peu. Le côté entonnoir est un peu... Et puis au niveau du teint, madame, faites un petit quelque chose. Petite vacances au soleil, petit quelque chose. Vous êtes un petit peu terne, madame. Ouais, c'est un peu chaud. Elle s'est pris pour une parabole, la meuf, ou quoi ? En concert, le col chaud. Hein. Ouais, c'est un peu gênant, quoi. S'il pleut, elle va se noyer, la dame. C'est... Il nous faut financer de nouvelles campagnes contre l'Espagne. Oh, mais les caisses de l'État sont vides. Carence en vitamine D, la dame. Combien de temps faudra-t-il encore saigner et ruiner le pays ? Monsieur le cardinal, il nous faut la... C'est Mocazor. Il y a 10 minutes, je pédalais, du coup, j'ai pas pu réagir, mais on dit la femme de Louis, pas la femme à Louis. Ah, merci de me reprendre. C'est trop gentil. Effectivement, on dit la femme à Louis, bien sûr. Votre Majesté. Traitez avec on dit la femme à Loulou. Je vous en conjure, tenez bon. Permettez-moi de mener à son terme ce grand dessein qui est le vôtre et de transmettre à votre fils un royaume en paix. Bougre chèvre, bougre garçon et bougre de toutes les façons. Bougre chèvre, bougre garçon et bougre de toutes les façons. Bougre chèvre, bougre garçon et bougre de toutes les façons. Bougre chèvre, bougre garçon et bougre de toutes les façons. Votre Majesté. Oui. Sans vous, sans votre appui, je ne peux rien. Je ne suis rien. Vous êtes un ingrat. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai nommé comme ministre à la mort de mon mari. Et que je l'ai fait contre l'avis de tous. Alors je prie Dieu, madame, que vous me gardiez votre confiance. Vous avez ma confiance. Et mon amitié. Ah. Madame. Pour autant, ne négligez pas l'éducation du roi. Quand ils disent l'amitié, c'est l'amitié et plus si affinité ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire on a l'amitié ou on a l'amitié? Oui. On a l'amitié, cardinal, bien sûr. C'est ça, hein, c'est de bons copains. Ah, c'est mon copain, ok, d'accord, c'est mon copain, ok. C'était juste pour savoir, quoi. Un homme d'église, ah oui, pardon, oui. Ah oui, de très 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 bons amis, très proches, ok, d'accord, c'était ça, exactement. Et Félindio qui se fait modérer son touche-pipi. C'est ça, voilà, c'est ça, voilà. Ah, c'est un homme de foi, pardon, excuse-moi. Il est jeune, encore insouciant et je m'inquiète. Louis semble tour à tour absent, secret. Hésitant. Ne le sous-estimez pas. Ok. Le temps presse, mon ami. La danse et la chasse ne suffiront pas à lui donner les armes pour gouverner. Alors laissez-moi faire. Vous-même devez maintenant vous éloigner de lui, quoi qu'il vous en coûte. Cardinal, c'est mon fils. Madame, demain, il sera tout entier à la France. Ah oui, c'est vrai qu'il s'était... Ah, ça hurle. Ah, le roi Emmanuel. Le roi Emmanuel. Ah, c'est le single, je connais. Je me lève jour après aïe, 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 aïe. C'est un jour ordinaire.
Mais normalement, on est censé en vouloir au roi Louis XIV. Comment tu veux en vouloir au roi Louis XIV quand c'est Emmanuel Moir, le frérot? Comment tu veux? OMG, le tube, évidemment. Salut, c'est Emmanuel. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire. C'est pour faire aimer les riches. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit, l'étroit d'une grande solitaire. Mais pourquoi faire être à la hauteur? Oh, le banger. Ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent. Et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commun des mortels. J'avoue, j'aimais presque plus quand c'était Manuel Dal, sa doublure. Bah, il avait faim en même temps. Salut, Noël, c'est Romancy. Meilleure comédie, salut Lucien. C'est un devoir quotidien. Un costume qu'il faut mettre pour un rôle qui ne mène à rien. Mais faut-il vraiment se soumettre jusqu'à la fin pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande? Attendez. Mais Emmanuel Dalle joue Sarong aussi dans le Seigneur... Non, ça c'est le Seigneur des Anneaux encore, Ellie. Allez, oh là là. Je les enchaîne, bien sûr, évidemment. Ce que les autres attendent et surmonter sa peur. Le budget de costume est ouf, c'est lui qui a de la petite voix. Le budget costume est ouf, par contre, en vrai. Oh là. Je sais pas sur la cape, c'est de l'armée des pros. C'est trop l'idée sur une estrade quand tu chantes ça, ouais. C'est Chouquet d'Orange. Bah, merci à vous d'être là. C'est un plaisir de regarder ces comédies musicales avec vous, en tout cas, sachez-le. Il a une belle voix, hein, quand même, Emmanuel Moir. Oh là, il y a la dame qui arrive. Je crois que c'est sa maman. C'est la maman à Louis. Oh, l'enchaînement! Ah, c'est un enchaînement de double banger! Oh la vache, enchaînement double banger, carrément! Attendez. J'avais oublié un truc. Pourquoi Christophe Maé joue le rôle d'un rasta blanc dans Le Roi Soleil? Par contre, il va m'expliquer à quel moment. Pourquoi il joue le rôle d'un rasta blanc? Est-ce qu'il va chanter l'hymne de nos campagnes un peu plus tard dans la comédie musicale? Le punkage! Non mais c'est ouf! Non mais c'est... Salut Monkey, non mais... Ah, c'est un rebelle, hein. Non mais c'est... Ah, c'est un artiste, c'est pour ça. Ah oui, parce que c'est un marginal, ok. Et ses habitudes, chacun dans la jungle a sa soif d'altitude. Salut Matt. Son cumulis. Tu m'aimes également de mon côté, ok. Bras dessus, les bras dessous. L'un sur l'autre dans la bouche. Par contre, il avait une voix... Bah y'a des gens qui tournent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Salut, mais quel bol, regardez! Mais redescendez! C'est très Kamel Walicor, hein. On reconnaît, hein. Entre mâles et femelles, c'est une espèce sans voix de disparité.
pour la Corée. Les gens volaient là avant la révolution. On dit que Paris était bien plus drôle au temps de la Fronde. Surveillez vos paroles, Marie. Votre encore les dit, l'élément, la tournette est tombée en plein chaud à Angers à 5 cm de maille, c'est à la vache. Les espions. Ma chère, vous n'êtes plus en Italie, mais à la cour de France. Ici, chacun espionne son voisin. Décidément. L'homosexualité du frère du roi est abordée ou pas? Ah, du coup, le frère du roi, donc joué par Christophe Maé, était homosexuel, c'est ça? Ah oui, d'où le fait que vous disiez dans le chat tout à l'heure que c'était un peu chaud les tenues, la façon dont on l'habillait, parce qu'en fait, c'était un petit peu chaud, quoi. Elle est bien triste, la c'est abordé, ok, d'accord. Le pensez-vous vraiment, mademoiselle? Mais regardez-les tous. Quel ennui. De façon avec très cliché. Avec la circonstance. Non, mais je... Il ressemble à des pantins. Vous êtes bien sévère. Mais qui êtes-vous, monsieur, pour ne pas vous en apercevoir? Un espion de mon oncle? Je suis le roi de France. Oh merde! Bien sûr! Et moi je suis la reine d'Italie! Petite sotte! Votre salut, Clopty! Sire! Aïe! Permettez-moi de vous présenter ma nièce, Marie Mancini. Mademoiselle, pour vous faire pardonner, m'accorderez-vous quelques pas de danse? S'il plaît, votre majesté! Oh, bras dessus et bras dessous! La seule entre dans la boue, tant qu'on peut encore debout, monter les mains, sans respect ni foi ni mort. Ah. Hey, et ça tournera comme ça. Et hop, les mariages. Tant que ça marchera. Ah oui, Emmanuel Moir est censé jouer quelqu'un de 14 ans, bah, il a 14 ans là. La seule entre dans la boue, voilà maintenant. Ah, ils ont enchaîné deux tubes directs, quoi. Ah, le Scatman. Le roi a dansé, dansé. Toutes les dames de la cour en ont eu le cœur chaviré. Mademoiselle Mancini en était, dit-on, tout éblouie. Ninon, vous rendez-vous compte? On dit aussi que le roi n'était pas indifférent et qu'il n'avait Dieu que pour elle. Ma chère, l'intrigue est d'importance. Imaginez-vous. Le plus grand roi du monde séduit par une petite courtisane italienne et sans essence. Je vous laisse deviner le scandale à suivre. C'est chaud. Bah ouais, c'est chaud, ouais. Quel froid ce soir. Là, l'enchaînement, il est chaud, là. Là, l'enchaînement. Dernière nouvelle des étoiles, citoyenne, citoyen. Oula, une transition pas évidente. La transition, elle est... Il y a des interviews où Christophe Maé raconte qu'il en avait marre parce que tout le monde se foutait de son rôle, léger fond d'homophobie, et que finalement il a travaillé sur sa propre acceptation, il n'avait plus rien à faire. Il est 20% moins homophobe depuis ce rôle, j'aime bien ce message. Le chemin d'un homme à une femme, où ça mène quand on s'aime, ces distances nous éloignent. Quand on aime, est-ce
Lui, il a une voix incroyable, excusez-moi. Hein. Ouais, les voix sont incroyables, hein, par contre. Hein. Le coup, c'est Louis Demina. Je sens qu'il n'a pas eu une plus grosse carrière que ça, Manuel Moir, depuis. Ouais, non mais je veux dire, il a fait quelques bons tubes, mais je veux dire, une longue carrière, je veux dire. Il joue dans Demain nous appartient, d'accord, ok, je savais pas du tout. Il a pas rencontré de bons mélodistes. Ouais, mais je comprends pas pourquoi les mélodistes se sont pas rués pour lui écrire de belles chansons, tu vois. Sur la longueur, je veux le dire. Il y a eu une grosse hype sur Christophe Maé qui a complètement éclipsé Manuel Moir. Ouais, je me souviens un peu de ça, ouais, malheureusement. Après, sa carrière d'acteur lui convient très bien. Donc, tant mieux, mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est dommage qu'il ait pas... Moi, pour moi, il devrait avoir plus de succès. Il a une vraie belle voix, tu vois. Il a une vraie voix, quoi. Dans les dernières représentations, Christophe avait plus de notoriété que Manu. Oui, mais je me souviens un peu de ce truc-là à l'époque où il y avait même un peu des articles un peu bitchy là-dessus, non? Il y avait pas des articles un petit peu genre le second rôle de la comédie musicale éclipse le rôle principal? Je sais que c'était à la fin, c'était un petit peu... Ouais, il y a un peu ce truc-là, ouais, j'en ai un peu ce souvenir-là, alors que je suivais pas trop, tu vois, hormis les singles, évidemment, qu'on m'a traqué, on pouvait pas passer à côté, mais ouais. Bah, je sais pas, non, c'est que c'est... Je suis pas d'accord avec toi, Bing Potter Monster, tu dis, mais à côté, Christophe Maé a eu une grosse hype, mais avec le recul, c'est pas de la méga qualité. Non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas une question de qualité, parce qu'en plus, je trouve que c'est de qualité aussi ce que fait Christophe Maé, c'est juste deux styles très différents. Mais je me souviens que ça a un peu plu à une certaine presse de les mettre un peu en compétition. Et j'ai un peu peur que eux-mêmes aient joué un peu le jeu de la presse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression, mais pas sûr. Dans les faits, peut-être qu'ils s'entendaient très bien et que c'est. Mais j'ai l'impression que ça a un peu divisé même le public en lui-même, tu vois. Je viens prendre congé auprès de votre majesté. Ah putain, cardinal. Je ne peux pas rejoindre nos armées qui combattent en Flandre. Monsieur le cardinal. Attendez, juste avant de continuer la comédie musicale, juste rapidement. Je voulais vous montrer un petit truc. Juste, je vous montre un petit truc. Parce que je commence à teaser tranquillement le Battle 4. Vous savez, le Battle 4, c'est dans 30 jours, mesdames et messieurs. Je participe à un événement caritatif qui s'appelle le Battle 4. Je serai les 21, 22 et 23 avril en direct du Stade de France avec une centaine de collègues streameuses et streamers. On va lever de l'argent pour deux associations. Handicap International France et Premier de Cordée. Et j'ai commencé à teaser un petit peu sur les réseaux sociaux. Je vous le montre vite fait ce que j'ai mis en avant. Un peu de baume au cœur, dans 30 jours, c'est Battle 4 au profit de Handicap International France et Premier de Cordée. Avec Nikos Aliagas, on est impatient de tout donner pour lever un maximum d'argent. Happy Écoutez, birthday Happy birthday. Je vous invite évidemment. Happy birthday. Je vous invite évidemment à retweeter, évidemment. N'hésitez pas à retweeter. Bien sûr. Bien sûr que je l'emmène avec moi, je l'ai commandé exprès. Littéralement, Nikos Ed. Je l'ai littéralement. Trop sympa, Nikos, d'avoir accepté. Il sera avec nous, Lou. Et merci, Rigolocation, pour ton année d'abonnement. Merci beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à RT, évidemment. Il se plie, oui. Vous voyez, il est plié, bien sûr. il est plié. Alors, attendez. Est-ce que j'ai le bouquin de Nikos quelque part? Hop là. Je l'ai pas là, le bouquin sur Nikos. Je voyais Nikos plus grand ou Flonflon plus petit. Donc voilà, je serai en compagnie de ce cher Nikos pour le Battle 4. Très impatient d'être avec vous et de lever un maximum d'argent pour ces belles associations. En tout cas, ça va être trop trop bien. Je vais aller à l'hôtel avec Nikos, hein, ça va être trop trop bien. Je vous accompagne. Je garde le Nikos dans un coin, je le ferai après. C'est au roi de prendre la tête de ses armées. Sire, les combats seront rudes, nous ne pourrons assurer Salut votre sécurité. J'en ai décidé ainsi, monsieur le cardinal. Je commanderai moi-même. Votre Majesté, la guerre n'est pas un jeu de cours. Faites confiance à vos généraux. Vous-même devez rester à Paris et parfaire vos connaissances. Marie. Sire, je vous en prie, ne partez pas. Je le dois, c'est là mon devoir.
Nos promenades, nos lectures, y renoncez-vous? Je serai bientôt de retour auprès de vous. Louis ! Louis ! Votre Majesté ! Ah, monsieur le Premier ministre, vous m'avez trahi ! Pourquoi le laissez-vous partir ? Madame, je n'ai pu le retenir, tant son courage et sa détermination sont forts. Ils font plaisir à voir. Mais vous m'aviez promis de le protéger. Ah merde, non. Ce n'est qu'un enfant. Damn. Il est encore si jeune. Et vous pouvez en être fier. Sa présence fera comprendre à l'ennemi que la France tient désormais un roi. Ah oui. Mon ami, comme toujours, je vous écoute. Mais prenez garde. S'il advient quelque malheur, vous m'en répondrez. Madame, je connais votre ambition. Si la mère souffre, je sais que la reine m'approuve. Être aimé comme je t'aime semblait suffire. J'en ai même oublié de te le dire. Laisse-moi essayer s'il est encore temps. Bah c'est Mancini elle. S'il te reste du non temps, elle c'est Mancini. Au moins essayer. Bah c'est bien Mancini, on est d'accord. C'est la meuf la blonde, oui. L'autre, elle là. Arrête de lui faire des bisous, toi. Oh, oh, ça va pas là. Oh, mais il y a des gens qui regardent là. Mais oh, ils sont fous. Ils s'en foutent encore, mais oh. Mais oui, c'est la go du début. C'est Isabelle, la fille du peuple. Encore du temps. Arrête de me voler mon mec, putain. C'est les deux femmes qui sont séparées des hommes qu'elles aiment. Alors, attendez, mesdames et messieurs, j'ai un doute. On se faisait des tatouages signe AZ asiatique sur l'épaule à l'époque de Louis XIV. On passe. Ah oui, dragon aussi. Ah oui, il y avait le loup et Johnny dans le dos, évidemment. C'était hyper populaire, oui, voilà. Ouais. On avait des dreads aussi. Ah, aussi. Des têtes, ça. Le 14 c'est uniquement papillon sur les reins. Ah, trop bien, Lucie Cola. Isabelle est interprétée par Victoria Sio, qui a doublé la voix d'Aline dans le biopic sur Céline Dion. Merci beaucoup pour cette info. Merci beaucoup. Encore du temps. Rien qu'un instant. Pour ça, encore du temps. J'ai tout ce qu'on ne dit pas.
Bah du coup, elles se connaissent, on est d'accord. Voilà. C'est la guerre. Oh mais... Oula. Oh, par contre, oh, les changements de plan, par contre, c'est un peu épileptique. Hein. Oh merde! Oh l'explosion. Oh loulou. Oh loulou. Oh Louis. Aïe 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 aïe. Coup dur. Coup dur, coup dur, coup dur. Zombenier. Zombenier loulou. Bats-toi loulou. Oh merde. Putain, mais du coup il rentre dans la scène là. Oh là 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 là, mais merde. Manu explosion. Bah c'était rapide hein. C'est la fin de la comédie musicale, mesdames et messieurs. Le Roi Soleil, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire quand même. Je me souvenais plus du tout de que l'histoire se terminait aussi vite quand même dans le. Dans l'histoire de France, mais let's go, ok, pas de soucis. On m'avait dit que c'était... Ouais, moi, je voulais... c'est une réinterprétation, il n'y a pas de soucis, hein. ça me dérange pas. Hein. Bah merci à toutes et à tous. Hein. À vendredi, du coup, hein, bien sûr. Non, mais... Ah oui, il croyait vraiment qu'il était dead. Ah oui, par contre, du coup, par contre, la mise en scène pour les gens du public, ça devait être un peu bizarre. Il était dans un trou, quoi. Ça, par contre, c'est pas ouf. Un petit peu raté sur ce point de vue-là. Il y avait des écrans, quoi. Joli ça par contre en vrai. C'est très très beau. Hein. Oh là là. Oh le soleil. Bah écoutez, on l'a remplacé. C'est l'histoire de l'homme au masque de fer, c'est sûr. Allez, Louis XV maintenant. Bah trop bien, bah excellent. J'adore quand Christophe arrive. Ah merde. Ah mais oui, du coup c'est lui le roi. Ah bah oui. Qui voudrait être à ma place, qui saurait comment faire face à ce rôle qui me fait peur. Ah bah oui, mais oui, oui. Je vous laisse sujet complice, vous en laisse le bénéfice pour jouer en coulisses. À chacun sa place. Pas la peine de me chercher, non pas la peine de me proposer à vos rêves m'attacher. Je suis fait pour rien faire, mais surtout pour bien le faire. Pas envie de me lever, non je n'ai pas envie de m'encombrer, ni d'avis à donner. Je suis fait pour la fête.
pas pour la prise de tête, non. La vie est trop sérieuse pour m'y ennuyer. Eh, hey, c'est pas mal ça, hein. Même la mise en scène, tout, c'est cool. Il a une voix de ouf, hein, quand même. Ça peut être un single, ça. Ah merde, bah ouais, Mélodie d'or, là. Il danse devant son frère mourant. Oh, il est pas hyper hyper cool, les gars. Ah bah, le spa. Je suis comme je suis. Ouais, c'est un banger, c'est ouf que c'est pas été un single. Je pense qu'au fur et à mesure de la comédie musicale, je vais comprendre pourquoi Christophe Maé a eu un peu plus de popularité qu'Emmanuel Moir en plus. Déjà, faut dire qu'il a une voix extrêmement particulière pour l'époque. Emmanuel Moir était plus dans une tendance qui était déjà bien en place, probablement aussi. Je le sais, mon frère. Je le sais. Ouais, 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 ouais. Bravo la médecine, évidemment. Manu n'est plus mort. Tu m'étonnes qu'il se réveille avec tout ce bordel. J'ai appris votre peine et les larmes que vous avez versées. Ah. Je vous en suis profondément reconnaissant. Sire, j'ai prié Dieu chaque jour, chaque heure, chaque minute de vous rendre à la vie. Oh, ma tendre amie. Il est doux de vous retrouver. Oh, sire, vous m'aimez donc un peu. Vous m'aimez. Je vous le promets, nous ne nous quitterons plus. Ah. Mais la reine, votre mère et le cardinal, ils ne le permettront pas. Marie, ce que la maladie n'a pu séparer, personne ne le pourra. Il s'est vite levé pour quelqu'un qui était mal en point il y a deux secondes, hein. Et je suis libre d'aimer qui je veux. Oh, Louis, tout serait si simple si vous n'étiez pas roi. Ah, c'est... Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ah, donc dans le contexte de la comédie musicale, c'est une chanson de gros baiser en fait. Ok. Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon... Ah, ok. Il est en mode je veux de toi mon essentiel. Les Attends, c'est un banger cette chanson. Hein. Pour m'approcher encore, j'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, viens, ne nous retiens à rien. Tout ne tient qu'à nous. Incroyable. Allez, tout le monde dans le chat. Personne, si tu le penses après, si tu le penses après, oui, quelqu'un a un sub chez Pierre Lapin là ou? Très joli ça. Ah oui, c'est bon, c'est vraiment d'utiliser les mots de briquet. Tu sais mon amour, tu sais.
laisser les mots sous mes silences. Je me retiens de chanter dans le crâne. Et les cours, j'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. J'ai l'avenir gravé dans ta main. J'ai l'avenir tracé comme c'est joli la mise en scène avec le gros miroir là. Rien ne nous emmène plus loin qu'un geste qui revient. Ah, c'est joli. C'est très beau ça comme idée, ça. C'est une très belle idée. Hein. Il est fort, Kamel Wally, quand même. Hein. On va pas se mentir. Tu peux nous faire une analyse de cette mise en scène? Bah, en fait, c'est la dualité du couple qui s'aime à travers le miroir. C'est beau. Près de toi, mon essentiel. L'analyse. Mon essentiel. Si tu le consacres. En général, le miroir est utilisé pour la folie au cinéma. Donc là, c'est un petit peu la folie amoureuse, peut-être. On ne sait pas. Oh, bah eux aussi! Mais c'est pas possible! C'est un vrai bésodrome, cette scène! Mais c'est pas possible! Non, mais oh! Mais on va se calmer là, à un moment donné! Non, mais là, à un moment. Non mais là, le bibi là, mais c'est pas possible. Non mais à un moment donné, il va falloir s'arrêter là. Oh, ça galoche sec. Non mais... Non mais il y a des enfants qui regardent là. Il me faut vous parler sur le champ. Demain vous partez pour l'Espagne. Monsieur le cardinal, je vous demande la main de votre nièce. Mais si... Cela ne se peut pas, Louis. J'arrive sur cette phrase, pardon Dorian. Je vous l'interdis. Mère, j'ai l'intention d'épouser mademoiselle Mancini. Si... Ne comptez pas sur moi pour accepter une telle infamie. Jamais je ne trahirai la confiance qu'ont mise en moi votre père et votre mère. Plutôt poignarder ma nièce de mes propres mains. Mais j'aime Marie. Nos sentiments sont véritables. Reprenez-vous, mon fils. On ne peut mêler les sentiments et la raison d'État. Et la raison d'État exige que vous épousiez l'infante d'Espagne. La France a besoin de cette union pour recouvrer la paix. Mais enfin, mère. Oui. Aïe. Les problèmes. Vous ne pouvez me faire cela. Vous me feriez mourir. Sire, demain vous partez pour l'Espagne. Louis. Et vous, Marie, vous partez sur l'heure pour Brouage. En exil. C'est Charlene. Oh non, l'exil, carrément. Elle est pas commode, la daronne. Hein. Elle est dure en affaire. Aïe, aïe, aïe. On croit que rien n'est jamais plus fort que l'amour. Que c'est un don que le ciel nous a fait un jour. Comment penser que quelqu'un puisse le défaire? Et oublier à qui l'on tient quand on le perd. Que j'ai ou pas vraiment le droit. Même loin de toi je serai là. Faisons les mêmes promesses chaque fois. C'est possible, hein. Dans le chat, ils vont me régaler. Pour infini, s'aimer pour nous n'est pas permis. Indicible est l'amour, c'est ça que nous aurons appris. Si j'avais su que c'était joué d'avant. Si j'avais su que j'allais te faire souffrir. Avec le fer encore chaud de nos alliances. Comment savoir d'où vient le mal, d'où vient le pire. J'aurais fait le premier pas vers toi. Je n'aurais pas eu peur de ça. Dans les mêmes erreurs chaque fois. Sa voix elle est impeccable hein, par contre, hein, la vache. Oh merde, il s'enfonce encore dans le trou.
il est littéralement au fond du trou, joli. Oui. Merde. Par contre, oui, il y a des gens qui sont tirés sur les câbles. Sans ne jamais rien quitter. On peut rester. Marie Mancini. Sans ne jamais rien oublier. Torgla. On peut s'aimer au point de s'en aller. Alors, voix vont bien ensemble. Par contre, c'est waouh, c'est ça chante très très bien. Oh non! S'aimer pour nous n'est pas fini. Impossible amour est amour infini. C'est parfait. S'aimer pour nous est interdit. Oh, terme. Invincible. Par contre, on oublie souvent que Louis XIV savait très bien chanter, hein, quand même. Hein. Oh là 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 là. Alors attendez, je vais juste, je reviens dans 30 secondes, je reviens dans un instant. Merci Flonflon pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? On fait de jolies rencontres. Oui, il y a des gens dans le chat, ils ont l'air de se connaître ou de s'être déjà croisés, c'est incroyable. ça me régale. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Tout se passe bien pour vous? Ça va, vous kiffer la soirée, mesdames et messieurs? Moi, j'adore, hein. Je passe un excellent moment, sachez-le. J'étais en train de dire à Raph, en vrai, j'aurais adoré, je pense, voir la comédie musicale à l'époque. Vraiment. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais adoré voir la comédie musicale à l'époque. Je suis subjugué par le... Alors, je trouve que c'est pas trop compréhensible la partie histoire, surtout le premier quart d'heure. C'est un peu... Un peu trop rentre dedans, pas trop compréhensible. Par contre, après, niveau musique et tout, tu t'en prends plein la gueule. C'est... Tu t'en prends vraiment plein la gueule. C'est assez fou. Bon, allez, on continue. Allez, on continue. Ouais, je vais essayer. Je l'ai dit ce matin, juste avant de continuer, quelqu'un me dit, va voir Starmania, tu vas kiffer. En vrai, je vais essayer d'avoir une invitation... Parce qu'en fait, c'est complet à Nantes. Je vais essayer d'avoir une invitation presse pour Starmania, parce que ça me donne vraiment envie d'aller la voir, et tout le monde dit que c'est fou, donc... Je vais vraiment essayer d'aller voir Starmania à Nantes, là, ouais. Incroyable. Allez, c'est quoi? C'est deuxième acte, en gros, là, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, moi. C'est les cloches, hein. Le tocsin. Quasimodo arrive, c'est pas la même comédie musicale, je crois, pardon. C'est quoi le nom de la cloche là? La petite Marie et tout, exactement. Ah bah. La fin est proche. Je veux dire à votre majesté le bonheur et la fierté que j'ai de l'avoir servi. Ah, cardinal, merde! Et d'avoir servi la France. Ah bah merde. J'ai traversé les orages. Bon bah fin de la mimocam, mesdames et messieurs, pour ce soir. Tout cela a pu altérer ma détermination. Presse F pour cardinal, évidemment. Et ma fidélité à votre famille, à votre trône. Il a l'air bien en forme pour quelqu'un qui va mourir, mais bon. Je vous ai aimé. Le cardinal était comme un frère. Mon propre fils. Je vous demande de me pardonner les duretés et les sacrifices que j'ai dû vous imposer. Mais ils m'étaient toujours dictés par l'intérêt suprême de l'État. Je le sais, monsieur le cardinal. Soyez en paix.
je meurs heureux. Car je sais maintenant que vous êtes en état de gouverner vous-même. Servez-vous de vos ministres. Entendez leur avis, mais décidez seul. Ah. Parce que vous êtes le roi. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Voilà. Paf, l'actu. Tout est dit. Je me recommande à Dieu. Salut, Kusaroa. Ainsi, qu'il est dur de vous quitter. Il parle longtemps pour quelqu'un qui va mourir. Oh non, merde, Derm, Maza, quoi. Là où toute une vie. Allez, hop, dans le trou. S'achève. Un nouveau défi se lève. Le mal. Même un amour qui meurt peut renaître. Pour un autre départ. Pour un autre peut-être. Qui sait son parcours d'avant. Là, c'est le peuple, là, c'est ça. On se raccroche. Ah, mais j'adore Claude Simon. L'acteur s'appelle Merwan, c'est ça. Il était la doublure d'Ahmed Mouchi, dans Les 10 Commandements. Et ensuite, Ahmed, du coup, était la doublure de Merwan dans le reboot il y a quelques années. Incroyable. Il a un flow, hein, Merwan, on va pas se mentir. Hein. Merwan rime. Il a tout le flow. J'avais pas prévu de fangirler ce soir, mais tant pis, t'inquiète, très bien. Incroyable. Mais elle aussi, elle chante bien. Elle joue quel rôle? Elle joue quoi? Une servante du roi, c'est ça en fait, elle. Parce qu'elle chante bien, hein. Il n'y a pas de problème là, il y a Mazarin, il est mort. Et Françoise, elle a l'air d'être un peu triste. C'est la future femme du roi, elle. C'est un peu une random qui a épousé Scarron, c'est ça, ouais. Elle est à la cour à la base, ouais. Ma mère, je sais ce que je dois et à qui je le dois. Mais la face du monde change. Ainsi. Avec tous ces wokistes là. Salut l'OS Lolo. Ah, la face du monde change avec tous les wokistes là. T'as... Ouais, les voitures électriques et compagnie, bah putain. Puis TikTok. Au-delà de l'amour du fils. Le drip de Louis. Ah oui, gros drip. Hein. Incroyable. Quelqu'un dit quoi? On peut plus rien dire de toute façon. En toute sincérité, vous trouvez pas qu'il y a quand même des similitudes avec Cindy, Cendrillon? Oh, quand même pas, non. Non. Le roi
vous remercie des conseils que vous avez su lui prodiguer. Il va congédier sa mère. Mais il n'en a plus l'usage. Oh le bâtard. Vous avez fait votre temps. Comment? Has-been, la daronne, has-been. Mon fils, vous perdez la raison. Aussi, madame, vous ne siégerez plus au conseil. N'y comptez pas. Vous ne savez pas, vous ne saurez pas. Ah la maman. Oh là là. Allez hop, ciao. Qui êtes-vous devenu le valet? Bah c'est le roi, madame. Hein. Elle a oublié que c'était le roi, en fait. Aïe, 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 aïe. Mais on avait dit pas les mamans. La reine. Merci, Grumpy Mood, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Votre mère est donc congédiée. Ah, je l'avais dit le mot. J'avais dit le mot congédié. Incroyable. Je devine le complot, la 5G, tout ça. Ah oh là, les vaccins, c'était sûr. Disgracié. Oh, disgracié. Oh, mon fils. Que Dieu vous pardonne votre ingratitude. Messieurs, je veux que chacun dans le royaume tienne toutes choses du roi, comme la nature soit la lumière du soleil. Je veux à l'avenir gouverner moi-même. Je ne veux point de premier ministre. Mais enfin, sire. Oh merde. L'État a besoin de ses ministres. À partir d'aujourd'hui, l'État, c'est moi. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Bah. Alors attendez. J'ai pas compris l'enchaînement là. J'ai pas compris l'enchaînement. On a changé de comédie... Attendez, on a changé de comédie musicale. J'ai pas... Il y a eu un... Ça... Non, mais non, c'est toujours la même. Hein. C'est... Du coup, ça devient le film Babylone. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Oula, une transition pas évidente. Comme les délires de Kamel. Boum, monarchie absolue, danse du ventre. Let's go. La danse est stylée, hein. Non, mais par contre, c'était stylé, hein. Je suis désolé, mais. Bon, ça fait très tableau de Kamel Wally. Ça fait tellement Kamel Wally de ouf. C'est le bal des planètes. D'accord, ok. Un peu de clavecin pour pas être trop anachronique. Ah, mais ils sont dans des boules! Ils sont dans des boules! C'est irrespirable là-dedans. Mister Dance. En vrai, c'est très stylé. Hein. C'est des boules contre le Covid. T'imagines, on aurait dû avoir ça pour le Covid. Pas pratique à la caisse du Super U, mais... L'odeur dans les bulles. Ah, c'est fort, hein. C'est très fort. En vrai, c'est stylé par contre en termes de mise en scène. Hein. Dans sa vie, on allait bouger. Ah, c'est votre chanson préférée, c'est ça là. Oh, ça me dit un truc ça. Et il avait des costumes. Ah ouais, le drip là, mon gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais regardez. Regardez ce giga chad là. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est bien habillé là. On veut croire ce qu'on voit. Un autre qu'on n'est pas. On est là tel qu'il faut paraître. Pour des gens qu'on n'aime pas. Tire vers le bas, qui se plie pour mieux nous soumettre. Ils sont là pour tourner, ne font que graviter dans leur monde et me détourner. De ce que j'ai en moi, de ce que j'ai en moi, mais
qui peut savoir le parcours que j'ai dû faire pour arriver à moi, arriver à moi. Et c'est un single ça, non? Moins connu que les autres, mais ça me dit un truc. Au milieu de regards, comme autant de miroirs qui reflètent une image toute faite. Ah non, c'était pas un single, c'est où? Comment je la connais? Plus pouvoir de promettre et tout se permettre. Ils sont là pour tourner, ne font que graviter dans leur monde et me détourner. Je connais parce que c'est un banger. Mais qui peut savoir le parcours que j'ai dû faire pour arriver à moi, arriver à moi. Ouais, j'ai dû entendre l'album une fois dans ma vie, je pense. Oh non, Manon. Et en arrivé là, au point de se complaire, à croire ce que l'on voit. Seul, on le demeure, on vit, on meurt. Sa dernière heure, on l'a fait seul, à la hauteur de ses erreurs, de sa grandeur. On se fait seul, on le demeure. Merci Griffenouille pour ton 15e abonnement. Ça arrive sur un banger. Ces riche de oui, j'ai du mérite. Très jolie chanson. Monseigneur, Monseigneur, je vous remercie de votre recommandation auprès de la reine. Oula, une transition pas évidente. Vôtre, oui, les transitions sont violentes. Hein. Votre amitié m'honore. Votre présence et votre esprit aiguiront les tristes soirées de leur majesté. Oh, décidément, Philippe, vous me flattez. Je suis sûre que vous deviendrez très vite la dame d'honneur préférée du roi. Mais monseigneur... Que dis-je, pardonnez-moi, de la reine. Mais soyez prudente. Son mariage avec l'infante d'Espagne ne peut lui faire oublier Marie Mancini. Et le pauvre se console comme il peut. Il vole de conquête en conquête. Seigneur, jamais sa majesté n'oserait. Je suis une femme mariée. Jamais. Tiens donc, je crois que nous allons le vérifier. Mon frère, qui est cette charmante personne? Présentez-nous. Sire, Madame de Mortemart, épouse du marquis de Montespan. Majesté. Madame. Oh, l'enchaînement. L'enchaînement. Oh là là là. L'enchaînement avec la guitare flamenco, là. J'en m'attendais pas. Salut, Grisaïdor. Bienvenue à toi. Hello, Flonflon, le chat. Perso, ça me fait tout bizarre de regarder ça avec vous, car j'avais vu la comédie musicale en live un soir de Nouvel An. Je me souviens de ne pas avoir tout compris à l'histoire, mais l'orchestre en live et la mise en scène, c'était incroyable. Trop bien. Bah, bienvenue. Installe-toi. Salut, Oxyfou. Ah, ça c'est un single. Voudrais-tu voir apparaître? Je peux être l'envers de l'image. Alors, ouais. Le montage il est costaud, hein. Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. J'étais un rêve éphémère que tu devais conquérir. Serais-je une ombre passagère pour ton avenir? Juste un geste de vous, mais je suivrai le message. Ah oui. Geste entre nous, c'est ce qu'il me faut pour savoir, pour m'avoir, pour m'avoir. La 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 patelée, baladale babababelé. Si j'étais sans mystère, quel courage aurais-tu pour me connaître? Je peux être moi-même, un visage où te respecter. J'ai oublié single moi aussi. Vraiment le faire sans me prévenir. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me
me faut pour savoir. C'est marrant parce que je trouve que ce morceau, il dénote un peu des autres dans la construction, dans le style. Bah qu'est-ce que... Le flash mob. Le moment Michael Jackson là. Comment tu m'attends. Oui, il y a un truc un peu R&B, ouais. Tu du Harlem Shake. D'un reflet différent. Viendrais-tu à moi? C'est un autre que tu vois. Un geste de vous. Juste un geste de vous. Et je suivrai le message. C'est cool ça. Hein. Ça c'est très très cool en vrai. Je tournerai la page. Sans rien dire, sans sourire, faire semblant de ne rien voir. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me faut. Juste un geste de vous, et je sais que c'est un regard qu'on déjoue. Et je tournerai la page, sans rien dire, sans sourire, faire semblant de ne rien. Ça fait très voir. Années 2000, ouais, voilà. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me faut. Bah, c'est un peu une vibe, c'est en 2005. C'est un peu la vibe Corneille, tout ça en fait. Vraiment, on est dedans. Pour m'avoir, c'est ce qu'il me faut. Banana. Ah, Yanis Marshall, il est dans les danseurs là. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais encore, mais bordel. Mais ça s'arrête jamais sur cette scène là. Wow. Non mais là, mais je cache l'écran, mais désolé. Non mais c'est incroyable. Et Marie Mancini là aussi là. Mais c'est. Hélas, Anne d'Autriche est morte. La reine mère nous a quittés dans d'atroces souffrances. Ah merde. Oui, mais les célébrations du deuil étaient très réussies. Voyons, madame, un peu de respect. Depuis la mort de sa mère, monsieur, le frère du roi, est inconsolable. Pauvre monsieur, il fait peine à voir. Ah, on apprend que la reine est dead comme ça. Merde, presse F pour Anne d'Autriche. Oh bah merde. Bon bah... Il n'en va pas de même pour le roi. Avec le décès d'Anne d'Autriche. Nous voici enfin libres. Libre. Mais vous oubliez Madame de Montespan. Échange mère contre maîtresse. La belle marquise triomphe à la cour, son emprisée. Total. Mais que dit l'épouse, que dit l'infante? Elle en prend son parti. Et notre Louis en profite. Il collectionne les passades, les histoires d'un jour et je n'en suis pas. Ce qui est fort regrettable. La Montespan ne montre rien. Mais on dit qu'elle en est dévorée de jalousie. Tant mieux. Elle mérite de souffrir. Madame, tant de haine. Seriez-vous amoureuse de sa majesté? Mais enfin. Voilà une femme qui entre au service de la reine, devient la favorite du roi et abandonne sur le champ mari et enfant. Ne la jugez pas, madame. Elle aime le roi. Et l'amour peut faire perdre la raison. Oh, vous parlez d'amour, Françoise. Vous qui n'aimez pas. Depuis la mort de notre pauvre Scarron, on ne vous a jamais vu avec un seul homme. Je fais confiance à Dieu. J'attends mon heure. Oh, sainte Françoise. Pour Scarron aussi. Non mais Scarron aussi, mais tout le monde dead dans cette comédie musicale où tout le monde fait se fait des bisous. J'en appelle à Samael, prince des abîmes, qu'il accorde à Athénaïs, marquise de Montespan, l'entière jouissance et la possession du corps et de l'esprit de Louis Dieudonné, roi de France. Dieudonné? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai plus... Attends, qu'est-ce que vient faire Dieudo dans cette histoire? Attends mais... Pourquoi il y a une méchante de Disney là? Dieu de what the fuck? Mais quoi, ça va pas là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça va pas? Maléfique invoque Dieu de what the fuck? Il y a une drôle de tournure la comédie musicale d'un coup, hein. Mon Dieu, malheureuse! N'invoquez jamais ce nom-ci! Vous allez gâter les effets du filtre. Mais enfin,
Savez-vous vraiment ce que vous voulez? Sans détour, la voisin. Je veux que Louis ne regarde qu'une autre femme. Et qu'il m'aime de toute sa personne. Ma belle dame, le corps et l'esprit ne sont pas le cœur. Comme toutes celles qui viennent me trouver, vous exigez l'amour absolu. Or, mon filtre ne vous accordera de l'être aimé que la dépendance à votre présence. À moins que... Dites, je suis prête à payer le prix qu'il faudra. Il ne s'agit pas seulement d'argent, ah, madame. Il nous faudra alors invoquer les démons, le diable. Comme vous y allez. Alors, on fait un peu des caisses, la dame, par contre. On ne dérange pas Satan. Même pour la maîtresse du roi, il s'invite. Alors, on dérange... Vous le saurez pour plus tard, petit tips, on dérange pas Satan. Voilà. Ça se fait pas, c'est pas dans les mœurs. Êtes-vous prête au grand sacrifice? À vivre. P1, Roi Soleil, P2, Maléfique, P3, High School Musical. Pour les mystères du sabbat. Messe noire. Arrête la genou. Cela jamais. Que Dieu me pardonne. Donnez-moi ce filtre. Adieu. Adieu, ma princesse. Vous y reviendrez. Mais... Oh la vache. Oh là là! Oh, il y a un peu de nom de Linkin Park. Ah, dommage! Putain, par contre, on nous laisse pas profiter de la. Oui! Le monteur, calm down! Non, mais en fait, le problème, c'est que le montage nous montre pas bien, par contre, là, la chorégraphie. Ça a l'air de ouf! C'est un bail un peu bresson, là. Mais vraiment, je trouve que c'est trop. Putain, le bon montage, mon gars! Putain, mais c'est comme si je faisais tout le react comme ça. Ça va, vous allez bien? Ok, super, trop bien. Bah écoutez, extrêmement bon react, trop trop cool. Truc de ouf, j'espère qu'on vous régalez, évidemment, bien sûr, sur ce react, évidemment, bien sûr. Ah, trop bien! Ah, trop trop cool! Putain, un truc de fou, incroyable! Ah, trop bien! Non, mais j'en peux plus! Non, mais doucement! Sans Goku versus Vegeta, je connais. Je peux mettre tous les plans! La vache! Ninon, me direz-vous ce que signifie tout ce mystère? Françoise, ma belle. Ah. Les portes du destin s'ouvrent enfin toutes grandes. Vous n'attendrez plus longtemps. Ah. Cessez-vous de parler par énigme. Oh, mesdames, je suis bien aise de vous trouver ici. Ninon, je vous remercie d'avoir répondu si promptement à ma demande. Ma chère, voici Françoise d'Aubigné, veuve de Scarron. Son dévouement et sa discrétion vous assureront... Je t'empresse. Madame. Pendant ce temps, dans la maison des secrets... L'enfant du roi que je porte devra naître dans le secret. Ah merde! Il ne pourra vivre à la cour. Ah merde! Ah, une brioche au four, la dame. Ah ouais, non mais là, ouais, non mais là, oh là... Si on nous introduit des personnages... Acceptez-vous de prendre... Salut, Quaster. Bienvenue à toi. ...pour la charge de son éducation. Madame... Je ne sais si je suis digne d'une telle confiance de votre part. Oh là là. De plus, je n'ai ni logement, ni gens. Mais ne vous inquiétez de rien. Sa Majesté veillera à tout et vous serez largement dédommagé. Merci, Mario. Françoise, ne soyez pas sotte. Pour vous plaire, madame... Et plaire à sa majesté, j'accepte. Alors tenez-vous prête. Je vous ferai quérir le temps venu. Prends l'argent, Françoise. N'avais-je pas raison?
Vous voici un pied à la cour. Aïe, aïe, aïe. Ah, les portes du destin. Messieurs, cette fête marquera la victoire sur nos ennemis et le retour de la paix en Europe. Ah. Je veux qu'elle ait lieu à Versailles et qu'elle soit la plus magnifique de toutes. Pour votre gloire, si... Il y a Spokrine qui dit de dire que je l'ai vu en live. Vous l'avez... Alors là, je parle pas du DVD. Vous l'avez vu en live ? Il y a quelques personnes qui en parlaient. Qui l'a vu en vrai ? En vrai, à l'époque. Qui a été voir en vrai ? Et où ? J'aimerais bien savoir. Moi, oui. Oui, évidemment, Flo, ouais. 4 fois, ok. Renégat, ok. Nope. Moi, à Nantes, incroyable. Bercy, toi, tu penses. Paris. J'étais trop jeune. 2 fois, Indy, incroyable. Paris. Paris aussi, c'est Dorian. 2 fois, Lyon et Paris, la vache. Plusieurs fois à Lille, Aria, incroyable. Grisaider à Paris, Rouen, toi, Dahlia, incroyable. Ah ouais, vous étiez chaud bouillant, quoi. Et celle de votre royaume ? Pour vous, ma tendre amie. Elle célébrera notre amour au monde. Palais des Sports et Bercy. Sire, je vous propose comme titre le grand divertissement royal. Bien. C'était la première. Ça me va. Et quel en sera le programme, monsieur Molière ? En une seule journée, sire. Oh, c'est Momo ! D'abord, un grand ballet, Bacchus, les fêtes de l'amour. Puis, ma dernière comédie, Georges Dandin, dont monsieur Lully écrira la musique. Ah, enfin... Georges Dandin, mon gars, putain. Il y a une bonne vibe première aile, là. On va pas se mentir depuis tout à l'heure. Vraiment, le petit Georges Dandin glissé comme ça rapidement, on est... Let's go. Féerie des eaux et feu d'artifice. Bien, très bien. Sire, nous construirons un... Oui, par contre, c'est bizarre. Le rôle de la reine devient la sorcière et Mazarin devient Molière. C'est un peu bizarre. Théâtre dans le parc du château. Pour cela, nous devrons procéder à quelques travaux. J'ai vu, il y a une comédie musicale sur Molière qui arrive, ça. Ouais. Tenez. Ici et là. Enfin, si monsieur Colbert nous y... Palais des Sports, tu rentrais facile, les danseurs nous passaient des invités. C'est vrai, incroyable. Dorise, votre majesté... Le coût de cette fête se monte déjà à 150 000 livres. Et la construction du château lui-même ruine les finances de l'État. Colbert, Versailles sera le symbole de notre puissance pour les siècles à venir. C'est vrai. Il sera le rayonnement de la France. Et rapportera au pays bien plus qu'il n'aura coûté. Votre Majesté. Alors que maintenant il y a la Tour Eiffel. Ils sont décimés par la malaria, nous risquons la révolte. On va pas rentrer dans les détails techniques. Que votre cousin, Beaufort... n'est pas étranger à cette agitation. Évidemment, sire. Vous lui avez pardonné la fronde et il continue à vous trahir. Vous avez raison, madame. Colbert, faites-le arrêter. Qu'on me le présente sur le champ. Ah. Ah merde, il faut arrêter Beaufort. Oh non, mais non, bah non. Oh merde. Vouloir à la terre entière. Eh, faut pas en faire tout un fromage. Et... Oh putain. Et... Vouloir malgré tout rester debout. Bien, bien. S'accoucher sur des parvis de pierre. C'est un single, ça aussi, non ? Vous allez me dire que non, je vais dire, mais putain, mais en fait, je connais vraiment toute la comédie musicale. Oui, ça, c'est un... Oui, single, ça aussi. Eh, ouais, ça. Il y a combien de singles ? Tout est banger, hein. C'est joli là, la montée des cordes là. Attendez. La montée des cordes, écoute, c'est très joli ça. Hein. Un chemin à peine ouvert. C'est très très beau ça. Hein. Mais remarque, 2 ans de tournée, fallait faire vivre la comédie musicale, ouais. Calmez-vous. Est-ce qu'on est tous des ennemis ? Essayez. L'un envers l'autre est un et démuni. Même si ça nous paraît loin. Dans les chansons douces, c'est peut-être ma chanson préférée depuis le début. Tout est gris,
Calmez-vous avec Merwan enchaîné, tout de cuir vêtu. Calmez-vous dans le chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, j'avoue que c'est cool, je suis assez d'accord. Ma chanson pour la manif de demain. Désirer la terre entière et de voir malgré soi rester en bas. Si chacun prenait sa part, faisait le nécessaire, sans nous mettre à aïe, aïe, aïe. Non, non, non. D'un pas entre ciel et terre, entre vous et nous, un chemin qui s'est ouvert. Oh non! Mais ils vont pas tuer Merwan quand même! D'ailleurs, est-ce qu'on a une réaction du Gaulisoir sur le fait que Beaufort était tout en cuir? Ah, attendez! Ah, il est full cuir! Ah ouais, effectivement, non, si, si, on a bien une réaction directe, effectivement. Merci. Merci Hugo, effectivement, merci beaucoup. Les deux voix sont très belles ensemble. Mais il va mourir! Oh bah merde! L'homme au masque de fer. J'adore cette histoire de l'homme au masque de fer. Oh non! Ils ont tué Beaufort! Oh bah non! Aïe! Mais faites donc attention, pauvre idiote. Vous me faites mal. Donnez-moi cette brosse. Je suis désolée, madame. Vous, presque. Aidez-moi à cacher ces rides. Il ne faut surtout pas que sa majesté les voie. Allez, poudrez. Allez, poudrez. Oh, mais quelle maladroite. Laissez-moi faire. Dans mon testament, les... Toujours paraître. Plaire. Distraire. Voilà, madame Scarron, ce qu'est la vie de la favorite du roi. Oh, parfois, je vous envie, Françoise. Votre vie est simple. Ça se la pète, hein. Dieu et les enfants sont vos seules préoccupations. À propos, le duc est-il prêt? Car ce soir, nous allons veiller à la cour. Madame, votre fils revient de cure. Sa jambe le fait encore souffrir et sa fatigue est extrême. Il serait sage de le laisser... Laissez-moi juge de ce qui est sage pour mon fils. Madame Scarron. Et moi je tiens que la place de votre fils, fût-il prince de sang, n'est pas le soir dans les mondanités de la cour, mais au repos, couché dans son lit comme tout enfant de son âge. Madame, ce soir le duc paraîtra aux yeux de tous accompagnant son père et sa mère. Mais vous allez l'épuiser! Mais c'en est trop! Taisez-vous! Mais non, pas vous! Continuez! Voyez donc cette femme! Née de nulle part, veuve d'un poète paralytique sur le sou que j'ai tiré de la misère et qui vient maintenant me donner des leçons. Madame Scarron, ici vous n'êtes que gouvernante et par la volonté du roi, ne l'oubliez pas,
Un mot de moi, Sa Majesté, vous retournerez à vos salons de province. Ou plutôt dans un couvent. Vous confier en dévotion. Allez préparer mon fils. Ça, elle me fait le même effet que Macron à 13 ans. Putain, c'est fou. Sire, pour le service de Madame de Montespan... C'est un joli bleu, hein, la veste, là, quand même, aussi. Je vous en prie. Busted. Madame de maintenant. Madame de maintenant. Oh, sire, je vous remercie. Ah. Ah. Madame de maintenant. Vous l'avez appelée Madame de maintenant. Aïe. Vous me désavouez à ce point. Jamais je n'aurais cru. Madame, je vous en prie. J'ai. Calmez-vous. Calmez. Ah. Mon ami, ne vous privez pas. Anoblissez cette femme. C'est fou. Installez-la à la cour. Alors qu'à tout moment, elle se joue de mon autorité. Et cherche à m'humilier. Madame, je tiens à conserver Madame de maintenant auprès de notre fils. Je suis content de ses services. Ah. Et je suis convaincu qu'ayant retrouvé vos esprits, vous en conviendrez avec moi. Ah, il vient de crocher sur la nounou. Ah bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. En lui conférant ce titre et cette terre, je tenais simplement à lui montrer notre gratitude. Ouais, mais non, il la rassure, Clumpty. Tu dis quel sale type. Non, il la rassure. Il la rassure, il est gentil. Il a le cœur sur la main, pour moi, Louis. C'est ça. Il donnait, tu vois. Vraiment, c'était vraiment ce truc d'être... tu vois, d'être dans le partage. Il était dans le partage. C'est insensible, c'est tout. Donner son ziz. Je sais que ton tour viendra. Ne t'inquiète pas, personne n'est condamné. Fils de rien ou fils de roi, où tu seras, je serai à tes côtés. Il y a toujours cet ange au fond de toi, où tu iras prêt à te consoler. Ce gamin est sûrement dans le chat ce soir, on l'embrasse. La perruque incroyable. Il y avait 5 enfants pour assurer les prestations. Okay. Oh, Max Tobas. Alors d'accord, qu'une danse te fasse envie, sache qu'on en sort grandi, d'oser le premier pas. Au clair obscur. Pourquoi on a tel du 17ème là? Les fées avaient aussi tourné le dos. Oh, c'est pas sa mère, mais c'est la mère. Tu te résous jamais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ça ne fait pas partie de la comédie musicale. Merci beaucoup, Flonog, pour ton année d'abonnement. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Ah oui, bah putain, ouais, je savais pas qu'il y avait du Stevie Wonder. Le timing désastreux. Désastreux. Mais gâchez pas la chanson, je chiale. Il y a eu un drop. Tournez le dos. Ne te résous jamais. Merci. Vous êtes déjà 261 voir sub sur ce mois de mars. Merci beaucoup pour votre soutien. Il te faudra apprendre à exister. Chantage ta vie, ça n'en vaut pas. Ah, moi je pensais qu'il allait juste faire de la figuration. Ah ouais, c'est ça envoie quoi. Qui ah ouais. Alors, oh le pitchoun. Qu'une danse te fasse envie, sache qu'on en sort grandi, d'oser le premier pas. Alors, va où ça va.
pense qu'il est sûrement sur TikTok aujourd'hui. Un des gamins qui tenait le rôle, c'est Sebi Daddy. Pour ceux qui ont au rôle à rêve, je sais pas du tout qui est Sebi Daddy. Enfin, monsieur, vous voici. Est-ce donc un jeune prince de faire attendre le roi ? Votre Majesté, veuillez nous pardonner ce retard. Allez, mon mignon, c'est à vous maintenant. Sire, recevez l'humble et respectueux hommage d'un fils hier encore inconsolable. Et aujourd'hui, ravi de retrouver le père chéri auquel la maladie l'avait si cruellement arraché. C'est toujours appeler son gosse monsieur, c'est top pour la proximité. Ou sire. Évidemment, si vous êtes papa, n'hésitez pas à vous faire appeler sire par votre enfant. C'est extrêmement important. Ça va amener une certaine proximité, effectivement, avec l'enfant. Non, mais vraiment, c'est vraiment top. Voilà un joli compliment, mon fils. Il est fort bien dit. J'en suis touché et fier. Quelle muse vous l'a donc inspiré ? Ah. Sire, c'est une dame auprès de moi qui est la douceur et la bonté même. Je vois. Allez. Monsieur, montrez encore à votre père les progrès que nous avons faits. Oh, mon petit ! Laissez cet enfant ! Pauvre insensé, il est malade et vous vous moquez de ses souffrances. Madame ! Non, sire. Je ne permettrai pas que notre fils soit ainsi le jouet de cette femme. Oh, mon tendre. Mon petit, ne pleurez plus. Votre maman est là. Oh, comme vous êtes beau avec vos habits. Vos cousins vont être jaloux ce soir. Allons, venez. Venez. Madame, je vous suis infiniment reconnaissant du soin et de la tendresse que vous donnez au service de mon fils. Sire, je dois tout à votre majesté. Vous ne devez rien qu'à vous-même, à votre dévouement, votre douceur. Aïe. Vous savez bien aimer, madame. Aïe. Comme il y aurait du plaisir à être aimé de vous. Aïe, aïe, aïe. Me promettez-vous de ne jamais nous quitter ? Ah. Oh. Non, il la rassure, il la rassure. C'est pas des avances, c'est comment... Non, mais arrêtez. Il est un peu tactile, Louis. Il est un peu tactile, mais c'est juste qu'il... Il voit qu'elle fait du bien à son fils et il se dit, faut que je la garde, quoi. Tant qu'il plaira, votre majesté. Sire Grobet. Je veillerai sur les siens. Et verrez-vous sur moi. Oui, c'est un patron très proche. Sire. Je n'exige rien, madame. Je vous en prie. Seulement. Je vous en prie seulement. Pourquoi il y a un mec en sloggy sur le... Pourquoi il y a un mec en sloggy sur le... Un oiseau BDSM. Qu'est-ce que... Oh, on a été Kamel Walled là. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais compris, mais ça fait une petite pause. Bah écoutez, l'aigle BDSM du 17ème. Bah écoutez, On va le prendre comme ça, tu vois, comme ça vient. Salut Aka.
Ah, ils ont repris l'instru de... ça c'est joli. J'aimerais bien l'avoir en instru. J'aimerais bien récupérer l'instru, ça. C'est joli, ça. C'est à combien de minutes, ça? Entre ciel et terre. Ah, c'est ça, l'instru de ciel, entre ciel et terre. C'est très joli, ça. Allez. C'est la danse de l'aigle. Donne-moi puissance et gloire, qu'elle vienne de la lumière ou du noir. Oula, oula, oula. Donne-moi force et pouvoir et prends tout ce que tu peux avoir. Amen. J'en appelle. Oh là 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 là, c'est un peu c'est que d'obscur. Pourquoi elle est dans un gros tube comme Mimo, elle joue dans les mêmes tubes. Je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Donne-moi d'autres croyances, qu'elle ranime les cendres de l'espérance. Donne-moi une autre chance, apprends-moi à quoi répondre au silence. Cette ambiance Mylène Farmer, ouais. Sa robe est incroyable par contre. Les tenues globalement sont... Eurovision winner performance. Côté Eurovision, ouais. Incroyable. Donne-moi puissance et gloire, qu'elle vienne de la lumière ou du noir. Donne-moi force et pouvoir et prends tout ce que tu peux avoir. Amen. Les Daft Punk en font oui, j'ai entendu. I'm gonna get lucky. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Oui, ouais. Est-ce qu'il y a du robot ou pas? Je sais pas. Ouais. Je donne le sang d'un calice pour qu'un seul de mes voeux s'accomplisse. Je donne l'innocence d'un fils et toutes les prières. Oh non, le bébé! Toutes les prières en sacrifice. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font? F pour le bébé, mais c'est horrible! Mais pourquoi ça part en techno là? Non, Julien, quoi, il ne fait pas ça. La transition tectonique, je veux. Bah, oh merde! Ah, elle a été pincée. Maintenant, messieurs, je vous prie de nous laisser seuls. Monsieur Colbert, restez. Ah, Colbert. Vous. Ainsi, madame, vous m'avez trahi. Merde. Et doublement. Sire, je suis coupable puisque vous le croyez. Mais je ne vous ai pas trahi. Pourtant, madame, non seulement vous vous êtes livrée au culte de Satan pour me réduire à vos désordres, mais vous avez aussi nourri le projet de m'empoisonner. Oh, jamais je n'ai voulu cela. Ce ne sont que calomnies. Aïe. Tous ces témoignages sont accablants. La propre... Vous avez tweeté. Vous avez tweeté à mort le roi. Alors, répasse ça. Ratio.
Ratio plus double ratio. Profite de l'empoisonneuse, la voisin. Vous a vu acheter ma vie et celle des pauvres innocents dont vous étiez jalouse. Oh, mensonge. Elle a menti sous la torture des juges et du bourreau. De la justice du roi, madame, celle de Dieu. Bomboclat. Et pour comble de tout, avec vos complices, vous étiez prête à sacrifier la vie d'un enfant. Non, pas l'enfant, sire. Je ne savais pas. Il suffit. Je ne peux plus vous croire. Et je ne veux plus vous entendre. Elle a pas tué le bébé. Sire. Aïe. Je n'ai d'autre défense que l'amour que je vous porte. Et si j'ai péché, je ne regrette rien. Ma seule douleur est d'avoir perdu le vent. Si j'ai péché, je ne regrette rien ? J'espère qu'elle a quand même ramené un petit peu des poissons à manger. Au nom de nos enfants, madame, je vous garde la croix. Yes, aïe. Oh, écoutez, on va pas être en forme tous les soirs. C'est pas... Mais je vous demande désormais... Bien envoyé ça, bon flou. ...de respecter ma personne. Même Émilie qui a rien dit depuis le début, les poissons. Ouais, vous avez le droit d'un sub, je comprends. Et d'observer la plus grande réserve à mon égard. Adieu. Oh non. Congédié. Colbert. Oh, elle aussi. Majesté. Je veux que l'on garde secret ce qui s'est passé cette nuit. Ah. Personne ne doit savoir. Il en sera fait selon vos ordres. Allez. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, ça va se savoir. Bye bye. Ouais, ça va commencer à se savoir. Oh, Timbaland. Mehdi, c'est lui. Mehdi Kerchouche, c'est lui. C'est le mec qui danse là. Il y a Justin Timberlake au bal. L'autre. Ok. Ah, les transitions sont un peu rudes par contre, ouais. On aura eu de Timbaland à Skrillex dans cette comédie musicale. Ah, lui, d'accord, ok. Le montage est. On a le vice des vertus, ce qu'on mérite rien de plus, qui brille, scintille, qui se voit, etc. Et vice et Versailles, c'est le nom. Les on costumes sont. Excusez-moi, mais. Waouh, Nelly Olsen! Qu'est-ce que c'est que ces costumes, frérot, par contre? Il haïssait cette perruque, c'est. Bah, tu m'étonnes! Il est en cosplay Isabelle de Animal Crossing! Non mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est horrible. Plus, sans mesure au superflu. Mais Nick Carchouche, il a fait la mise en scène du dernier show de la tournée d'Angèle-Louis, je sais. Etc. Ah ouais, je crois qu'ils essaient de nous faire comprendre que le frère du roi était un peu excentrique. Mais on enquêtera après un peu plus. Il y a une petite subtilité qui se cache dans le costume. Mais... Puisque l'important n'est qu'un détail. Ah, Evis Versailles. Oh, le petit jeu de mots Evis Versailles, ça régale quand même. Qui ne s'est jamais perdu dans l'excès de m'as-tu vu? Et plaire, complaire, à tout va, etc. Pour la galerie, tout pour la galerie. On ne trouve ici rien à sa taille. L'important n'est qu'un détail. Oh, oh. On ne fait rien sans rien. À qui ça revient?
Très subtil, hein. Ne trouve ici rien à sa taille, puisqu'on vit pour la galerie, tout pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Et bis Versailles. Oh qui ne s'est jamais perdu dans l'excès de Mathieu, et plaire, qu'on plaire à tout va, etc. Pour la Alors, les cheveux forment un manteau en fait. Incroyable, comme costume. Puisque l'important n'est qu'un détail, on fait tout pour la galerie. Pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Pour la galerie, pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Chewbacca pas où. Elvis Versailles. Qui s'attache. Par contre, en vrai, je vais le dire qu'une fois. Vous l'avez dit dans les commentaires dans le chat. Je vais le dire qu'une fois, on passera à autre chose. La représentation de l'homosexualité du frère du roi, c'est, on est en 2005, hein, c'est catastrophique. Hein, c'est vraiment le cliché. C'est vraiment, comment ça s'appelait déjà ce film hyper connu avec la biscotte là. Merde, la cage aux folles. C'est vraiment la cage aux folles quoi. C'est vraiment. Je pense pas que ce serait la même aujourd'hui quand même, FRG. J'ai envie d'y croire un petit peu, ouais. J'ai un peu, ouais, je. C'est un peu Qatar. Ouais. C'est lourdingue en langage scientifique. Madame, vous savez le respect. Au moins ils l'ont pas éludé. Au moins ils l'ont pas éludé. Mais j'ai l'impression qu'en fait ils utilisent un peu le truc ça en mode, c'était l'excentrique ou quoi. Que je portais à ma pauvre épouse défunte, la reine. Oui, il paraît que ça, par contre, c'est une vraie histoire. Apparemment, Dovatia a obligé Emmanuel Moir de cacher son homosexualité, d'ailleurs, pour ce rôle-là, d'ailleurs. Ouais. Je vous remercie de l'attention et des soins dont vous m'avez entouré depuis son décès. Mais aujourd'hui, je ne peux plus tricher. Oh merde, la reine est morte. Pourquoi aussi ? Fuyez-vous mes regards ? Mais c'est pas possible ! Mais tout le monde crève dans cette comédie musicale ! Mais y en a pas un qui reste en vie ! F, la reine qu'on n'a jamais vue ! Mais c'est pas possible ! Pourquoi ne cessez-vous de m'éviter ? Sire, combien me sont douces ces lignes, et comme elles sont cruelles. En vain, j'espère de vous un instant auprès de moi. Seul, rien n'y fait. Pourtant, Françoise, tout en vous dit que vous m'aimez, oh. Comme je vous aime. Vous croyez lire mes sentiments ? Vous avez raison. Oh. Je vous aime. Ah putain. Et cet amour est aussi fort que la tristesse qu'il me donne. Car je dois y renoncer. Pourquoi résister ? Ne suis-je pas libre maintenant ? Jamais je ne pourrai être votre femme. Plus rien ne s'oppose à notre union. Oh non, mais non ! Je m'en arrangerai avec Dieu. Il la rassure. Sire, il faut vous remarier. Pour le bien de votre royaume. Mais avec une femme de votre rang. Aujourd'hui même, vous devrez faire ce choix parmi les princesses que l'on vous présentera. Mais non, Françoise, vas-y. J'attends. Il s'en arrangera avec Dieu, le melon du gars quand même, vraiment. T'inquiète, Dieu, je gère de mon côté. C'est moi qui gère, t'inquiète, c'est ma petite tambouille perso. Je sais, j'ai une ligne directe, frérot, t'inquiète. Très le temps qu'il faut. Mon cœur vous appartient. Oh Louis. Il est roi, moi. Ces mots, je comprends que je vous perds à jamais. Je vous resterai fidèle jusqu'à mon dernier souffle. Droit divin. J'ai jamais vu le Roi Soleil, je vous jure, je m'accroche, mais je comprends. Mais si ! En gros, Cola, faut que tu retiennes un truc. C'est l'histoire, en fait, du Roi Soleil, Louis XIV,
de son nom. Et en fait, il baise un Max, voilà. Je viens de te résumer 1h45 de comédie musicale, je pense que c'est à peu près. Je vois défiler des visages, je vois passer des regrets. Single aussi, ça, non? Qui sont de passage, que j'ai laissé en marge quand j'aurais dû rêver. J'ai vu disparaître des mirages qui ne reviendront jamais. J'ai vu encore tellement. La vie passe et je n'ai rien vu passer. La vie passe et je n'ai rien vu passer. Ouais. Je n'ai fait que l'emprunter. Le temps passe, je n'ai pas su l'arrêter et j'ai simplement oublié d'aimer. Ah là 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 là. J'ai résisté. À bien des langages que j'aurais dû parler. Il a une voix, hein, par contre. Est-ce encore faire preuve de courage? N'oubliez pas d'aimer les jeunes. Que de marquer des pages sans être satisfait. La vie passe. Et lui, il chante, mon gars, ça bouge pas. Hein. Ah, elle aussi, bien sûr. Le banger, bonsoir, salut Cal. J'espère que tu vas bien. Douter, je ne veux pas croire que la route est fermée. Une fois pour toutes fermée, je veux entrevoir où aller. Me donner le droit qu'un homme peut se donner. De tout abandonner. J'aime bien cette chanson aussi. C'est vrai que ça fait 2 heures qu'on le regarde déclarer son amour à toutes les nanas qu'il rencontre, mais il dit qu'il a oublié d'aimer. Ouais, mais il s'est pas oublié lui en chemin, et je crois que c'est ça le plus important dans la vie. C'est une belle conclusion. Voyez, madame, comme je vous écoute. Je vous obéis. Je vais me remarier devant Dieu. Sire, croyez combien je suis heureuse de cette sage décision. Madame, oui, je me marie. Et j'ai choisi la princesse que le monde entier m'enviera. Le prince errant renaît au soleil. Je ne laisserai plus quiconque me séparer de la femme que j'aime. Ah. Cette princesse ressemble à s'y méprendre à une femme qui m'accompagne depuis des années. Dans les épreuves comme dans les joies. Elle est sage et noble de cœur. Cette femme, c'est vous, Françoise, que j'épouse. Oh putain! Il est fort, bâtard! Et je veux la voir passer. La vie passe. Flon, tu insistes beaucoup sur la voix exceptionnelle de Manu, mais les femmes ont des voix incroyables aussi, tu le soulignes. Non, mais elles sont. Ah non, mais tout le monde a des jolies voix. C'est juste que je suis subjugué par la voix d'Emmanuel Moir parce qu'elle me touche plus. Oh, attends, n'allez pas essayer de chercher quelque chose que j'ai pas dit et que je n'insinue pas. Attendez, s'il vous plaît. Elles ont toutes des voix exceptionnelles, mais vraiment, lui, je sais pas, sa voix me touche et je m'en étais jamais rendu compte. De te voir l'emporter, le temps prêt. Tu auras su l'arrêter, le temps cesse. Mais j'aurais au moins aimé la vie passe. Oh là là. En vrai, c'est marié en secret dans la réalité. Par contre, je trouve que toujours les harmonies aussi des voix sont extrêmement bien choisies. Oh, mais encore! Mais c'est pas possible! Comme ils sont beaux, comme ils ont l'air heureux,
On dirait la fin d'un conte, comme ceux de mon ami Charles Perrault. Et pourtant, il s'agit bel et bien de la vie du roi, il flexe, dont le règne fut le plus illustre et le plus fastueux de notre histoire. Moi-même, j'ai écrit pour lui, et comme tant d'autres, peintres, poètes, musiciens, philosophes, architectes, nous avons bâti sa renommée, celle de Louis XIV, le roi soleil. Alors ce soir, une dernière fois, je vais remonter l'horloge du temps. Et cette cour magnifique va reprendre vie et chanter. On a parlé, Caloué. Mais tout le monde chantait très bien. En vrai, tous les chanteurs et les chanteuses étaient assez exceptionnels, on va pas se mentir. Mes seigneurs, tout le monde avait une voix exceptionnelle. Non, c'est un très beau casting en vrai. Très très beau casting. Il était une fois. C'est comme ça qu'une histoire commence. On a tous en mémoire. Bip, bip. Merci Calvergo pour ton prime. Merci beaucoup, merci pour ton soutien. On reste au fond de soi. Merci Mamie Chouette pour ton premier mois de moi aussi. Vraiment. Tant qu'on rêve encore, que nos yeux s'étonnent encore, rien n'est perdu. Tant qu'on rêve encore. Ça devait être incroyable à voir, j'aurais adoré. Incroyable, comment ils ont fait pour installer une fontaine? Pardon, j'ai pas vu vos commentaires en disant Merwan il est vivant. Il est pas mort finalement, vous avez vu? C'est manquer ses lois pour croire le bonheur. Souvent. Oh, les harmonies de voix, c'est incroyable! Ah ouais, Limogo? Alors, moi, l'histoire est un peu décousue. Par contre, je trouve que la comédie musicale est passée très très vite parce que les chansons sont des gros bangers. Voilà. Et voix de tête des meufs aussi là. Aïe aïe aïe. C'est magnifique. C'est comme ça fait trop bizarre que t'aimais les titres et les mises en scène, c'est vrai. Ah, vraiment, je trouve ça beau. Je trouve ça beau hein. Ouais, l'idée de les faire chanter en ligne face au public à la fin comme ça, c'est très très cool.
Oh, il y a l'enfant aussi qui chante. Ah, attendez, stop. Alors, il y a un monsieur qui est là, il a pas passé la même soirée que les autres. Hein. Oh, il a pas l'air d'être... Oh, le monsieur, il a pas l'air d'être... Il a été invité, lui. Lui, il a eu un billet. C'est peut-être monsieur à côté ou madame à côté qui l'a invité, mais il est... Ouais, il est chanchon. Il dit... Excusez-moi de relever 2-3 détails de l'histoire, mais l'histoire de Louis XIV, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Laissez-moi vous le dire. C'est l'historien du public. Excusez-moi de vous le dire, il y a 2-3 points de l'histoire qui sont pas tout à fait réels. Il a même son jeu sur nous. Il t'arrive au carré. Et la fistule. Elle est où la fistule? Les chansons sont top. Moi j'ai bien accroché, mais ça, le montage était un petit peu trop épileptique. On sent une captation un peu plus moderne que les autres, mais ça se cherche encore quoi. Ça prend trop de liberté avec l'histoire. Ah, il y a toujours un callback de fin normalement. Oui, il reste du temps, vous inquiétez pas. On regarde jusqu'au bout évidemment. Évidemment, restez bien jusqu'au bout, mesdames et messieurs, parce que juste après, je vais vous faire voter, bien sûr, pour la prochaine comédie musicale qu'on regardera, comme d'habitude. On remet en jeu Mozart, l'opéra rock, les 10 commandements, et faudra me trouver une troisième à mettre en jeu, bien sûr, pour un vote final. Incroyable. Et bah, mesdames et messieurs, pour vous, c'est l'apogée de l'époque des comédies musicales. Ouais, c'est plutôt le renouveau. Oh, Maxence. Oh, la présentation, Delphine Attal. On a eu Stefano Pistolato, Marjorie Accione, Mathieu Riquelm, Estelle Manas, Massimiliano Belsito, Géraldine Couf, Joseph Di Marco, Émilie Capel, Michael Popolo. Quel beau jeu celui, putain. Joseph Di Marco, Émilie Capel donc, Michael... Ah non, Fopolo, pardon. Alexandra Froin, Julien Gaillac, Johanna Paricio. Tous ces gens qui avaient des forums sur lesquels j'étais inscrite, let's go. Peter Bordage, j'aime beaucoup cette présentation de fin, elle me régale. Mathilde Reynal, Mehdi Kerchouche du coup. Donc Mehdi Kerchouche... Très grand chorégraphe aujourd'hui, c'est lui qui a notamment fait effectivement toute la mise en scène du dernier concert de Angèle. Salem Sobhi, Blandine Aguerri, Fabien Hanot, Sarah Gell, Sabrina Fontaine, pardon. J'ai oublié un nom, je suis désolé. Caroline Blow. Elle me dit quelque chose, Caroline Blow. Dis un truc. Mais Guillaume Geoffrey. Aurélie Loussouarn, je sais pas comment ça se prononce, j'espère que c'est... Joachim Lorca, Karen Loquet, Aurore Carbonneau,
Tommy Pascal, Frédéric Crête, ils étaient tellement nombreux, Karen Brunon, Christophe Briquet, François Chouquet, j'allais dire, bah écoutez, François Hollande même carrément, président, bah avant d'être président, le frérot, il était là quoi, non mais c'est, bah c'est fou comme quoi, il y a des changements de carrière comme ça, voilà. Merci Messi Fang pour ton 13e abonnement. Je passais juste sur le stream vite def et voilà, j'ai scotché pendant plus d'une heure. Un grand merci pour les découvertes. Victor Valette. Ah, il y a toute l'équipe technique aussi. Daniel de Bastos. Jess Besançon. Ah, c'est cool de remercier l'équipe technique comme ça aussi. De les montrer Maxime Dion. C'est trop cool en vrai. Toute l'équipe son. Ali Chebilly. C'est trop gentil. C'est trop bien. Jérôme Poutinier. Alain Mardaga. Toutes les habilleuses évidemment que vous voyez sous les yeux. Je laisse un tout petit peu bien sûr parce que ça passe un peu vite. Comme quoi, tout est possible, on peut tous être président pour croyant vos rêves. Toute équipe de production qui est présentée aussi, trop bien. Ah, les techos sont rarement mis en avant, toute l'équipe coiffure et tout, c'est trop bien. C'est maquilleuse, l'équipe lumière, c'est trop bien en vrai. Virgile Le Dreyf, incroyable. Ah, Pierre Forest, voilà. Marie Lenoir, les principaux. Rôle, Victoria Petrosilo. Merwan Rim, évidemment. Anne-Laure Girbal. Lisanne Saldi. Christophe Maé, évidemment. Katia Linandria. Emmanuel Moi. Et Kamel Walilou. Kamel. Alors, Kamel, les élèves le château. Dovatia. Incroyable. Donc, c'était vraiment un spectacle de Kamel Walik, directement. Incroyable, incroyable. Non, c'était très, très, très bien. Un chouï déçu de... Donc c'est Pierre Jaconelli hein, qui a fait les chansons, voilà, vous oubliez. Et Olivier Schultes. C'est Olivier Schultes qui a fait l'arrangement des cordes. Tiens, vraiment, que des noms qu'on voit beaucoup passer. Hein. C'est vraiment que c'est des noms qu'on voit tout le temps passer sur cette chaîne, parce qu'on regarde la Star Academy, Nouvelle Star, c'est vraiment des noms qu'on voit passer. Hein. On va voir le nom du boucher, le monteur du spectacle. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc c'est réalisé par Franck Voiturier. C'est le réalisateur, mine de rien, qui choisit aussi des fois les changements de cadre. Donc Franck Voiturier est pas par hasard, à mon avis. Je veux un gif du clin d'œil d'Emmanuel Moir à la fin. Bah super Franck. Ouais, j'en ai parlé du Monsieur Bonichon, on va pas revenir dessus, évidemment. Alors, les comédies musicales que je vais vous proposer, je pense. On regarde, comme d'habitude, on regarde tout le générique, ça me paraît être la moindre des choses, après avoir regardé un spectacle comme ça, toujours. Ah, donc Mehdi Kerchouche était donc... Il était considéré comme danseur stagiaire. Ah ouais. À Kerchouche, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Et il rechante encore. Et franchement, ça faisait cartonner, mon gars. Putain. Bloqueur, Mathieu Patriarcat. Tout ce qu'on essaie de détruire aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de remettre en cause, bah il est là, il est juste là. Il était sur le spectacle, ça me dégoûte. Voilà. Ça me dégoûte, on a soutenu le patriarcat quelque part en regardant. Il bloque de ouf. Mon essentiel, si tu veux consacrer. Donc
C'est Bruno Berberès qu'on peut saluer pour sa direction de, casting. Pardon. Bien sûr, toute l'équipe qui l'a accompagné. Alors voilà l'équipe de toutes les personnes. Il y a quand même eu beaucoup de gens. Regardez, musique composée par. Regardez la liste des gens qui ont composé les morceaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup de compositeurs et de compositrices. C'est assez ouf en fait. C'est assez ouf. Bruno Berberès qui est également le casteur de The Voice. Non mais comme quoi, c'est fou. Ouais. Et voilà Rod Janois. Ok. Eh ben écoutez mesdames et messieurs. Ah, on va avoir le nom, captation du spectacle, attention. Alors c'est Human Film. Qui a monté? Donc réalisateur Franck Voiturier. Script, actrice, chancelier, attention, chef opérateur, steadicammer, assistant opérateur, régisseur, stagiaire, régie. Estelle Révelin, ça me dit un truc. Putain, il y avait du monde en régie là. Qui a fait ça? Donnez-nous le nom du boucher. Awa Sangar, on a le nom. Alors déjà, je sais pas si c'est Awa est un nom féminin ou masculin, désolé. Voilà le nom. Un nom, on voulait un nom. On voulait un nom. Quel enfer. Ah, c'est pas facile en vrai. On a un ou une coupable. Trouvez cette personne. Bon voilà mesdames et messieurs, ça y est. Pour Le Roi Soleil, c'est fait. Quel plaisir c'était. Restez encore quelques minutes, mesdames et messieurs, parce que nous allons voter immédiatement pour la prochaine comédie musicale que nous allons regarder. Alors, attendez, je prépare tout. On va préparer immédiatement le poll, mesdames et messieurs. On va préparer le poll. Le poll de fin. Hop là. Alors, dans le poll, je mets immédiatement pour commencer... alors, attendez, pour le poll, je mets... Non, je vais le faire. T'inquiète, je vais le faire. Alors, on met la prochaine comédie musicale. Hop là, vous inquiétez pas, après je vais le mettre, ça va être plus visible, bien sûr. Hop là. Alors, on remet en jeu les 10 commandements, parce que c'était l'une des salles qui était... On remet en jeu Mozart, l'opéra rock, évidemment. Et en troisième position, alors... alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de 1789. Et est-ce qu'on mettrait pas un quatrième, Starmania? Parce que vous êtes beaucoup à parler de Starmania. Je vous propose de faire 4 propositions et on reprendra les propositions à chaque fois. On arrivera à le trouver Starmania. La deuxième version, oui, qui est filmée, ouais. Ouais. Bah, la version de Starmania, on regardera la deuxième parce qu'on n'a pas le choix. La première n'a jamais été filmée, donc on regardera la deuxième. On fera ça. Oh ouais, 4 c'est bien, mais 4 ça suffit parce que sinon ça fait trop de votes. Allez mesdames et messieurs, attention mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêtes? Et prêts? Sondage est lancé mesdames et messieurs, vous avez 2 minutes pour voter. C'est parti mesdames et messieurs, le poll est lancé. Sous vos yeux ébahis, je vous laisse voter mesdames et messieurs. Quelle sera la prochaine comédie musicale que nous allons regarder? Les 10 commandements, Mozart l'opéra rock, 1789 ou Starmania? C'est Mozart l'opéra rock pour le moment qui se détache largement. Avec 52% des voix. Ah là 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 là. Incroyable. Non mais Flonflon, t'as pas idée de la soirée que tu nous as fait vivre. Je parle au moins pour moi, Lucy Koala et Flo Johnson. Trop d'émotions, c'est vrai. Mais je sens qu'il y a eu des gens qui étaient... vous étiez très attachés à cette comédie musicale. Ça me régale en vrai. Ça me régale. Mozart, l'opéra rock se détache à 47% quand même. Merci ma hôte pour ton follow. Merci à celles et ceux qui follow la chaîne. Hein. C'est un super soutien à la chaîne. On est bientôt à 9000 followers d'ailleurs. Merci beaucoup. Bah merci Wackenshine, merci beaucoup, merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'avoir réagi avec moi et d'avoir... J'ai découvert, alors l'histoire, j'ai pas tout capté,
Le montage était pas ouf, mais en fait, tout était rattrapé par les performances des chanteuses et des chanteurs, en fait. C'était extraordinaire. On veut voir Flo en mode BDSM. Ah bah, je vois ça, hein. C'était la première comédie musicale que t'as vue en DVD. Bon, là, on le refera. Alors, ça sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, mercredi soir, je vais voir Stromae. Donc, ça sera pas la semaine prochaine. Salut, Fizorem. Chaque comédie musicale a son BG en cuir, c'est ça. Allez, il vous reste encore 30 secondes pour voter, mesdames et messieurs, mais j'ai bien l'impression que ce sera bien Mozart, l'opéra rock. Première position avec 47%, deuxième position, les 10 commandements, 24%, troisième position, Starmania, et quatrième position, c'était 1789 à 13%, mais on va bien regarder Mozart, l'opéra rock la prochaine fois, je pense. Il est en arrêt maladie pour les trois prochaines dates, pas la date de la semaine prochaine, Stromae à Nantes, pour le moment au gras, voilà. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, il reste 10 secondes, mais effectivement avec 79 voix, ce qui représente 47% ce soir, nous regarderons pour la prochaine soirée comédie musicale sur cette chaîne, Mozart, l'opéra rock, mesdames et messieurs, c'est validé par vous, c'est validé par vos voix, on regardera Mozart, l'opéra rock, merci à toutes et à tous, merci infiniment d'avoir suivi cette soirée comédie musicale, c'était un plaisir, merci beaucoup à vous.